Merci. C'est très bon, cela. Mais celui d'hier était plus sec. Oui, et celui d'avant-hier encore meilleur. Les jours passent. Le carrosse arrive, le carrosse. Ah, enfin. Avant de vous remettre les clés de cette maison, j'ai reçu mission, monsieur, de m'assurer sur la personne de qui vous envoie. Voici, monsieur, le mandement royal par lequel je suis investi. Nous, par la grâce et la volonté de Dieu, Louis, roi de France et de Navarre, mandons et ordonnons au sire Étienne Pascal de se rendre sans tarder en notre province de Normandie en qualité d'intendant royal pour la taille et l'impôt. En outre, nous lui déléguons tous les pouvoirs et autorités jugés par lui nécessaires pour remettre en bonne forme et ordonnance les rôles des paroisses de notre province normande, après que les dix rôles aient été laissés en si grand désordre et abandon par la négligence de notre Parlement de Rouen, en notre palais du Louvre, ce 15 de septembre de l'an de grâce 1639, par la grâce de Dieu et de sa Sainte Mère la Vierge Marie, nous, le roi Louis. La maison est à vous, et j'ai l'honneur, monsieur l'intendant royal, de vous en remettre les clés. Vos appartements, monsieur, sont à l'étage. La route de Rouen m'a semblé calme. C'est que nous avons jeté en prison tous ces rebelles. Dorénavant, personne ne refusera de payer l'impôt. Ceci est votre cabinet, monsieur l'intendant royal. Je vois. Nous aurons à faire diligence pour envoyer au chancelier Séguier un premier relevé des comptes. La malle, mettez-la là. Pour l'instant, ça ira. Merci. Où se trouvent les chambres? Par ici, je vous précède. Oh, va ouvrir la fenêtre. Cette pièce n'a pas de volet. C'est la plus belle chambre de la maison. Allons voir les autres. Moïse paissait donc ses brebis quand il vint sur la montagne de Dieu. Et le Seigneur lui apparut en une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il vit que le buisson brûlait ardemment et qu'il ne se consumait pas. Alors Moïse a dit, « Je veux savoir pourquoi m'est apparue cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Vous m'avez fait chercher, mon père.
mon secrétaire s'est laissé corrompre par un marchand de Rouen. Je l'ai chassé. Je dois néanmoins mettre en ordre tous les rôles de l'impôt pour la paroisse de Rouville. Et j'ai besoin de votre aide. Morneboeuf, meunier sur les propriétés du vicomte de Roy. 2265 boisselets de farine et une maison 6 à l'orée du village sur la route de Roy. 4 sols par boisselet de farine, 2 écus pour la maison et l'obligation d'un achat forcé chaque année de 36 livres de sel de gabelle au prix fixé par les soins de l'office de Lisieux. N'a pas participé à la révolte. Écrivez, la taille sera augmentée d'un 1/15 sur la farine et de 2/12 sur la maison. La gabelle restera inchangée. Veuillez calculer les tailles. Mais il n'a pas participé à la révolte. Laissons cela, je vous en prie, à calculer. Pour l'année à venir, le dit Morneboeuf sera taillable de 43 écus de sol. Vous calculez bien rapidement. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Oui, et je pourrais encore aller beaucoup plus vite. Faites bien attention. Qu'est-ce que cela, mon père? Quoi? Ce livre. Ah oui, c'est un manuscrit que m'a envoyé le père Mersenne, à titre de curiosité. Voyez le titre. Brouillon projet d'une atteinte aux événements des rencontres du Cône avec un plan. C'est l'œuvre de Monsieur Desargues, un géomètre de la ville de Lyon. Un ouvrage à ce point obscur que les savants l'ont baptisé la leçon des ténèbres. Cela vous fâcherait-il, mon père, que je le lise? Non, vous pouvez le faire, mais vous n'y entendrez rien. Bon, reprenons, s'il vous plaît. Falaise, métayer sur les propriétés du dit vicomte de Roy. 4 vaches et 1 veau en métairie, 15 arpents de pâture. Achat forcé de sel de gabelle chaque année, au prix fixé par les soins et bons vouloirs de notre fils de la gabelle de Lisieux. Tu as fait venir le porteur d'eau? Pourquoi cela? Le puits est-il à sec? Non, mademoiselle. Mais ce matin, j'ai vu un crapaud et j'ai pensé à quelques sortilèges. Cette eau-là est bonne. Elle vient de la source de Bruelle. As-tu fait la conjuration? J'ai mis 2 baguettes en croix, mademoiselle. Marie, avez-vous vu Monsieur Blaise? Monsieur Blaise s'est retiré en sa chambre et a prié qu'on ne le dérange pas. Et la jument? Elle est à l'écurie et s'agite. Je pense que la naissance est pour cette nuit. Ne manque pas de m'en avertir, quelle que soit l'heure. N'a besoin de rien d'autre que de calme. Pour le reste, le garçon d'écurie suffira. Retirez-vous, je vous prie. Et pour marquer cet heureux événement, chacun d'entre vous pourra boire un verre de mon vin. Et lui de Seine. Bonne nuit. Travailler encore? Il nous est né une petite mule, et vous feriez mieux de venir la voir au lieu de vous fatiguer de cette façon. Tous vos calculs n'auront jamais la beauté des créatures de Dieu. Eux aussi ne font-ils pas partie de la création? Mais il fait grand jour. Que faites-vous donc? J'ai mis au clair l'œuvre de Monsieur Desargues. Vous savez pourtant que cela me déplaît. Vous
devriez vous ménager. Croyez-vous que cela soit bon pour votre santé, de veiller ainsi toute la nuit? Je pensais vous faire plaisir. Vous savez bien que moi aussi, tout comme vous, j'aime les calculs de géométrie. Mais vous y mettez, vous, beaucoup trop d'ardeur. Et de curiosité. Et vous y réussissez trop bien. Prenez bien garde que vos succès ne vous fassent croire à quelque grandeur. Mon père, je sais que l'homme n'est grand que quand il se connaît misérable. Ne sortez donc pas de cette idée et vous ne vous en porterez que mieux. Je prends néanmoins ce travail pour que nous restions tous deux en bonne intelligence et que nous puissions en parler. Mais tâchez dorénavant de réfréner cette soif de savoir qui vous entraîne en toute chose et peut vous induire en tentation. Le couvent des Minimes à Paris. Remets cette lettre et ce traité au révérend père Mersenne de ma part. Tiens, voici pour le voyage. Tu prendras le meilleur de mes chevaux et pour aller plus vite, coupe à travers champs. Ah, autre chose, ne fais part à personne de ce voyage et surtout que Blaise n'en sache rien. Que Dieu t'accompagne. Je viens de recevoir de la part de M. Étienne Pascal, qui, comme vous le savez, est intendant royal en la province de Rouen, un mémoire dû à son fils Blaise, qui, à l'âge de 17 ans, nous donne une œuvre géniale, si belle que je me propose de la publier. Il nous y donne la solution d'une atteinte aux événements des rencontres d'un cône avec un plan, soit la solution de la leçon des ténèbres du grand Désargues. Vous avez demandé à me voir? Oui, monsieur l'intendant. À propos d'un commandement que j'ai reçu sur la taille. À quelle paroisse appartenez-vous, monsieur? À celle de Rouville, monsieur l'intendant. Oui, Moulinet, maître tanneur. Vous devez, monsieur, plus de 53 écus au trésor royal. Et cela fait maintenant plus de 2 mois que vous restez redevable de cette somme. Je serais navré de devoir procéder à la saisie. Malheureusement, monsieur, vos gens et exécuteurs ne trouveraient presque rien. Je suis ruiné. Ruiné? Comment cela, monsieur? Il se dit en ville que ma servante est une sorcière. Et pour cela, je ne trouve plus personne pour acheter mon cuir. Je suis ruiné. Mais cette accusation que l'on vous porte est-elle fondée? Il semble que oui, monsieur l'intendant, à cause d'un sort maléfique dont mon fils serait la victime. Avez-vous signalé le fait aux autorités? Oui, naturellement. Et cette femme est déjà aux mains de la justice. Mais il y a pour l'heure tant de procès de sorcellerie en cours dans notre ville que celui de ma servante devra attendre encore plusieurs mois. Hélas, je suis ruiné, monsieur l'intendant, et ne puis vous payer cette somme. À moins que... Je vous écoute. À moins qu'on ne réussisse à faire la procédure dans des délais plus courts de justice, et que je sois libéré prochainement de cette malédiction. Cela seul pourrait me rendre ma clientèle. Je comprends, monsieur. Je verrai ce que je peux faire. Je verrai. Merci. Notre père va à Rouen. Un autre procès? Oui, de sorcellerie. Pour juger la servante de M. Moulinet.
Après avoir ensorcelé le fils, on dit qu'elle a ensorcelé toute la maison. Et Monsieur Moulinet ne peut plus vendre une seule de ses peaux. Le démon ne peut entrer dans le corps d'un homme qui ne l'invoque pas. Il le peut au contraire fort bien si le sort qu'on lui a jeté se montre suffisamment puissant. Quant à la servante de Monsieur Moulinet, il est fort possible qu'elle-même ait invoqué le diable pour ruiner son maître. Elle avait beaucoup de raisons de lui en vouloir, car il ne l'a jamais traité qu'avec dureté. Sans doute. Mais c'est un crime abominable que de rechercher l'assistance de l'enfer pour se venger. Et il faut de bien puissantes preuves pour faire croire qu'une chrétienne ait commis cette sorte d'idolâtrie. Le commerce du maître n'est-il pas ruiné? C'est peut-être pour la crédulité des gens. Je crois à la puissance des abîmes, mais il existe aussi des maladies où il y a passion d'esprit et dépravation des sens. Je crois, moi, que Satan va rôdant de par le monde et qu'il cherche à posséder l'âme de tous ceux qu'il rencontre, faibles et sans défense. Le démon se sert de l'humeur mélancolique pour tourmenter les hommes. Mais l'humeur mélancolique seule et sans l'aide du malin peut suffire à dépraver les opérations de l'âme. La lutte contre l'enfer est impitoyable et nous ne devons jamais relâcher notre vigilance. Faites entrer l'accusé. Nous invoquerons ensemble notre Seigneur. Car il nous portera témoignage. Et le secours miséricordieux de sa grâce. Veni Creator Spiritus. Mentes Deorum Visita. Imbule Superna Gratia. Quae tu creaste effectora. Amen. Amen. Auditeurs et témoins ayant tous répondu à notre appel, je déclare la séance ouverte. Accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous être la dénommée Michèle Martin, qui fut jusqu'ici, selon les apparences, servante chez Monsieur Moulinet, en une maison sise sur les terres de la paroisse de Rouville? Oui. Monsieur le lieutenant criminel, nous vous écoutons. Nous avons pu, non sans peine, convaincre Michèle Martin, par nous accusé, du crime de lèse-majesté divine, de sorcellerie et d'entente abominable avec l'enfer. L'accusé y obtint du démon d'avoir pouvoir de maladie et de mort sur les personnes. Et pour nuire à son maître, le dit Monsieur Moulinet, elle jeta un sort sur son fils le plus jeune. Après avoir été ensorcelé par elle, cet enfant ne pouvait plus souffrir de voir son père et sa mère proches l'un de l'autre sans se débattre avec une violence extrême. Pensant qu'il s'agissait d'un sort et soupçonnant l'accusé, M. Moulinet, usant justement contre elle de toutes les ruses en son pouvoir, lui fit croire que si elle avouait, il garderait le secret. L'accusé promit alors de tout dire, à cette condition qu'il ne la dénoncerait pas et qu'elle sauvegarderait sa vie. À ce point, l'accusé invoqua le témoignage en bonne foi de la dite Rose Planquier pour établir que celle-ci avait eu l'occasion de voir une mouche lui sortir de la bouche, ce qui montre qu'elle voulait bien admettre se trouver en la possession du diable, mais qu'elle niait d'avoir conclu un pacte avec lui. C'était Astaroth. Attendez, accusé, rapportez les faits. J'ai dit à mon maître qu'il fallait transporter le sort et que quelqu'un mourût pour l'enfant. Sur un homme ou sur une bête? Une bête. Un chat fit l'affaire et l'enfant fut guéri. C'en est assez. Nous n'avions pu établir les preuves d'un pacte avec le diable. J'en appelais alors au témoignage de Monsieur le médecin Collard. Après avoir entièrement rasé le corps de l'accusé, nous avons cherché à voir en sa chair
sans aucun autre instrument que les yeux seuls, la marque du malin. Mais par cet examen scrupuleux, nous n'avons pu remarquer sur le dit corps rien de diabolique. Vous avez donc procédé à la recherche du point diabolique en piquant à l'aide d'une aiguille toute la surface du corps. Oui, nous avons fait cela. Sans omettre quelques anciennes cicatrices. Non, monsieur. Et qu'avez-vous trouvé ? Sur la hanche gauche de l'accusé existe un point d'insensibilité, signe infaillible d'un pacte avec le diable. En ce point très précis et sans que ne s'écoule une seule goutte de sang, notre aiguille a pénétré si profondément que nous n'avons pas pu la retirer. Le pacte diabolique fut ainsi prouvé. Michel Martin, veuillez nous répéter ce que contient déjà votre déposition. Le diable m'emporta sur une montagne lointaine devant un hôtel couvert de draps noirs. Et fûtes-vous seul ? Seul avec lui. Et que vous commanda-t-il de faire ? Signe de la croix, de la main gauche. Et encore ? Il me fit renoncer au baptême que j'ai reçu. À Dieu, à la Vierge Marie, aux saints et aux saintes du paradis, à l'église et à mes parents. Le feu, seul le feu peut me purifier. Au bûcher, je veux être condamné. Taisez-vous. Nous seuls avons vocation de vous condamner. Le démon ne voulait pas que j'avoue. J'ai résisté à la torture simple. Je souffrais. Il ne me laissait pas parler. Puis à la torture extraordinaire, il a eu peur. Quand ils m'ont brisé les jambes, il m'a quitté. Et j'ai parlé. Je confesse tout. J'avais peur de Dieu. Moi qui obéissais scrupuleusement à son enseignement. Mais le démon m'a possédée. J'étais innocente. Je me réjouissais des forfaits les plus atroces et des blasphèmes les plus horribles. J'ai participé au sabbat où le diable m'a emporté avec lui à une vitesse vertigineuse au cœur d'une forêt hantée. D'où le malin vous a-t-il emporté ? De la maison. Et c'est de la maison que vous êtes parti pour ce voyage diabolique ? À travers les murs de la maison ? Oui. Elle ment ! Cela seul la puissance divine peut le faire. C'était une nuit très claire. Et vous l'avez suivi ? Oui, je l'ai suivi. Vous l'avez donc suivi hors de la maison de votre plein gré. Par où ? Par la porte ? Nous avons commencé cet abominable voyage depuis la cour. Mais le démon, lui, comment est-il entré ? Je ne sais pas. Vous le savez. En s'insinuant sous la rainure de la porte. Ou peut-être par la fenêtre. Sous la porte. La fenêtre était fermée ? Elle était ouverte. C'était l'été, il faisait très chaud, je l'ai déjà dit. Mais en ce cas, pourquoi le diable a-t-il dû se glisser sous la porte ? Je ne sais pas. Vous le savez, puisque vous l'attendiez. J'étais triste. Malheureuse. Vous rétractez-vous ? Non, je reconnais tout. Oui. Il est entré par la fenêtre. Que vous aviez laissée ouverte ? Oui, je l'avais laissée ouverte. Dites bien la vérité. Ce sera au bénéfice de votre âme. N'essayez pas de troubler par vos larmes le cours de la justice. Jamais ce tribunal ne se rendra coupable de complicité avec Satan. Fort bien. Je laisse la faculté au juge, avant de procéder à l'interrogatoire des divers témoins ici présents, de consulter le relevé scrupuleux des aveux de l'accusé.
Messieurs les auditeurs, je vous prie. Je ne puis y croire. Tous les juges sont salués dans le bûcher. Sans doute. L'âme, quand elle est séparée du corps, ne peut plus être la proie du démon. Que Dieu nous délivre et ne nous permette jamais d'invoquer le nom de son ennemi. Nous ne l'invoquerons jamais. Aucun d'entre nous ne peut savoir ce qu'il entreprendra demain. Lorsque l'on se trouve seul dans le péril et comme abandonné de Dieu, que peut-on faire ? Vous n'aviez pas plus d'un an que vous fûtes frappé par le mauvais sort d'une abominable sorcière qui estimait avoir été, par ma faute, injustement condamnée dans un procès. Pour ne pas vous voir mourir de convulsions, je dus lui remettre de l'argent. Et peut-être, invoqua-t-elle le diable, vous fûtes sauvé. J'avoue que ces choses me confondent. Oui, je le sais. Je vous en prie, Blaise, faites ce calcul. Cela fera 15 écus et 3 sols. Bien. Nous continuerons demain. Allons. Ah, Jacqueline, laissez donc cela et venez avec nous chez l'ébéniste. Je suis sûr que cela vous plaira. Votre frère veut nous montrer la machine qu'il a faite. Mon père, est-ce bien nécessaire? Oui, il s'agit d'un instrument qui fait de lui-même toutes sortes d'opérations sans jetons ni plumes. Ah, mais vous savez pourtant bien que je n'ai pas de goût à ces choses. Et pourquoi cela? N'est-ce pas vous, mon père, qui m'avez mis en défiance pour tout ce qui distrait l'esprit de la religion? Je vous libérerai donc, ma fille. Et pourtant, non, je ne crois pas qu'il y ait rien d'impie dans la machine de Blaise. Dieu ne condamne pas ceux qui cherchent à découvrir les merveilles de la nature afin que les hommes puissent les contempler. Je crains seulement, en ce cas, le démon de la vanité qui nous inciterait à croire que ces merveilles sont les nôtres et que celui qui les a découvertes est leur créateur. Au revoir, ma fille. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je l'ai inventée pour vous, mon père. Elle vous épargnera beaucoup de travail dans vos comptes. Il me semble qu'il y a un peu de jeu dans les engrenages que vous avez fixés. Je vous prie de les démonter une fois encore pour les ajuster mieux. Mais je dois auparavant terminer le lit et les fauteuils commandés par votre fille. Que faisons-nous? Oh, peu importe, ma sœur. Elle attendra bien un ou deux mois de plus. Elle n'a pas besoin dans l'immédiat de ce mobilier. Tandis que cette machine est pressée d'aller dans le monde pour y exposer les merveilles de cette nouvelle méthode de calcul et y assurer son privilège. Voilà. Bah, ne ménagez rien dans son extérieur pour qu'elle soit belle. Bien, monsieur. Elle doit satisfaire les yeux comme l'esprit. N'y manquez pas. Non, monsieur. Bien, allons. Nous reviendrons contempler cette merveille. Et méfiez-vous, mon fils, de trop d'orgueil. Au revoir, monsieur.
Monsieur le chancelier Séguier, il est l'heure. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu et reconnu que tu m'as envoyé, et je leur ai baillé à connaître ton nom, et le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as éternellement aimé soit en eux, et moi en eux. Je te prie d'aller voir si le père Mersenne s'est présenté à l'audience avec quelques autres académiciens. Oui, monsieur le chancelier, le père Mersenne et ces messieurs sont présents. Fais-les entrer. Nous avons l'honneur, monsieur le chancelier Séguier, de vous faire présent d'une machine qui, selon ce qu'en dit son inventeur lui-même, doit sa naissance à la force de vos commandements. Quelle sorte de machine ? Et quel est son inventeur ? Grâce à cette machine, il peut se faire quantité et toutes sortes de calculs. Addition, soustraction, multiplication, division, en nombres entiers ou rompus, sans se servir de plumes ni de jetons, et sans danger d'erreur. Elle est l'œuvre de Monsieur Pascal, le fils. Bien. N'est-ce pas celui qui écrivit le traité des coniques et dont j'emploie le père au service de Sa Majesté en Haute-Normandie ? C'est lui-même. Ah. 5 fois 8 égale 40. Égale 40. Ceci me paraît remarquable, en effet, surtout si l'invention est présentée par des esprits aussi savants que les vôtres, messieurs. Je ne manquerai pas d'en informer Sa Majesté, qui, vous le savez, est le meilleur artisan du royaume. Si habile que M. Pomerol, le plus grand armurier de France, en se retirant, n'a vu personne, en dehors du roi, digne de recevoir en héritage les secrets de son métier. J'ai ouï dire par le cardinal de Richelieu que ce Pascal avait une sœur très douée pour les vers et la comédie. Cette fille devait avoir 12 ou 13 ans quand, sous le patronage de Madame la Duchesse d'Aiguillon, elle régala le cardinal de Richelieu d'une de ses représentations de théâtre dont il s'est toujours montré particulièrement friand. Et c'est là qu'elle obtint la grâce de son père, qui s'était attiré notre mécontentement. Cette famille Pascal sûrement brillera de quelque grand éclat. Bien est-ce de te voir, Jacques. Nous vous attendions pas si tard en saison. Nous avons dû quitter Clermont en grande hâte avant que la peste n'y survienne et que les routes ne soient coupées. La peste ? Sur la route de Clermont,
Nous avons vu un grand nombre de bûchers où l'on brûlait les cadavres. Mais que cela ne vous effraie pas, nous ne les avons vus que de très loin. Ah, Gilberte. Porte-le tout de suite jusqu'aux appartements. Où est notre père ? On est venu le prier d'intervenir en personne parce que deux gentils hommes s'étaient défiés pour un duel. Dans sa hâte, il a fait une mauvaise chute. Et il n'a pas voulu être soigné par d'autres que les frères Deschamps. Deux gentils hommes, anciens soldats fort charitables et experts à remettre les membres rompus. Ils sont là-haut. Courage, je vous prie. Comme il ne mange presque rien, il ne tient plus sur ses jambes. Mademoiselle Jacqueline a demandé qu'on ne laisse pas tout seul, monsieur Pascal. Lui arrive souvent? Oui. Il lui vient une sorte de paralysie de la ceinture jusqu'en bas. Ses pieds sont froids comme du marbre. Cela vient parce qu'il s'applique avec trop d'ardeur aux études, et cela lui sera monté au cerveau. Si nous sommes experts à réparer les anatomies, science que nous avons apprise sur les champs de bataille, nous ne savons rien de ce genre d'humeur. Mais nous avons là avec nous un ouvrage de piété. Les lettres de Saint-Cyran, un disciple français de Jansénius. Nous vous recommandons instamment de les laisser à la portée du malade. Pour le reste, nous prierons Dieu pour lui. Je vous en remercie. Thank you.
mourir pour retourner à Dieu me remplissait d'une grande joie. Vous étiez donc certain de mon salut? Certain. Si cette maladie était venue du diable, les lettres placées contre vous auraient augmenté la fièvre et l'agitation. Au contraire, elles vous ont apaisé. Et si vous vous réjouissez de voir mourir le juste, pourquoi donc prenez-vous soin de son corps quand il est malade? Parce qu'il faut en avoir soin comme d'un bien qui appartient à autrui. Nous sommes sur Terre comme des acteurs et jouons le personnage tel qu'il plaît au maître de nous le donner. S'il le donne court, nous le jouerons court. S'il le donne long, nous le jouerons long. En lisant les lettres de Saint-Cyran que vous m'avez laissées, j'ai compris, comme lui, que nous sommes entre les mains de Dieu, qui aveugle les uns, éclaire les autres et souffle où il veut. Et les doctrinaires ne le rencontreront jamais qui ont la prétention de connaître seul le sens des Écritures. Comme si la vérité était un objet que l'on possède et non une chose vivante que l'on connaît et cultive avec la raison comme avec le cœur. Dans l'ordre du monde, je me méfie de toutes les assurances de doctrine. Par exemple, il est raisonnable et de bon sens de croire fermement que la nature a horreur du vide. Sans aucun doute. Et pourtant, moi, je crois vraiment que le vide existe, même si cette vérité répugne à la raison. Je peux vous en montrer les preuves que le cœur ne peut réfuter. On ne s'imagine, Platon et Aristote, qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient d'honnêtes gens, et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophique et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophique était de vivre, simplement, tranquillement. Vous nous étonnez de dire cela quand on voit le fatras de choses qui vous entourent et qui vous distraient. Vous êtes à peine sorti d'une grave maladie et vous voilà déjà incapable de repos. À peine remis sur pied, vous êtes tout préoccupé de science. Merci, ça n'est rien. Voyez-vous, cette activité me distrait de mes maux. Elle m'empêche de me fixer sur ma douleur, c'est-à-dire sur moi-même. J'ai froid. Voulez-vous ranimer le feu? D'autre part, j'ai idée que cette notion du vide dépasse de beaucoup l'intérêt d'une médiocre querelle sur la science. Mais voyons plutôt. Voulez-vous prendre la seringue qui est là-bas? Celle-ci? Oui. Toutes les ouvertures de ce soufflet ont été soigneusement bouchées. Si je veux l'ouvrir, je sens une forte résistance, comme si les deux ailes du soufflet avaient été collées l'une contre l'autre. Voyez-vous-même. C'est juste. Bien. Regardez maintenant cette seringue. Je repousse son piston au plus loin et je la plonge dans l'eau. J'embouche avec le doigt l'ouverture immergée. Et si je tire maintenant le piston en arrière, mon doigt se sent fortement attiré et avec douleur. Si je tire le piston davantage, mon doigt ne sent pas plus d'attraction, bien que l'espace vide
à l'intérieur de la seringue est augmentée. Si j'ôte le doigt, l'eau, contre sa nature qui est de couler par la plus forte pente vers le bas, l'eau monte dans la seringue, et avec violence. J'en conclus que le vide existe, et que l'air, par son poids, fait monter l'eau dans la seringue où le vide s'est fait. Tout cela est fort beau, mais je vous présente une objection. Ce vide dont vous parlez n'est ni corps ni esprit. Il ne peut donc être une créature de Dieu. Prétendez-vous alors qu'il puisse exister ? Et vous ? Comment pouvez-vous décider sur ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas ? Dieu n'est-il pas hors de notre portée et caché à nos médiocres capacités d'entendement ? Et croyez-vous vraiment que le fait de connaître et mesurer le poids spécifique de l'air, tantôt à un niveau, tantôt à un autre, ce que je m'efforcerai de faire, nous rendra moins misérables aux yeux de Dieu ? Non. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle. L'autre est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien. Ceux d'entre les deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pas pu arriver à l'autre, c'est-à-dire à l'ignorance savante, ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Je sais que vous n'êtes pas de ceux-là. Si vous restiez ici plus longtemps, je pourrais vous montrer d'autres expériences dont j'ai eu l'idée. Pour mesurer la pression atmosphérique, c'est-à-dire le poids de l'air où nous vivons, nous allons nous servir de ce tube plein de mercure. Vous remarquerez que l'une des extrémités du tube est hermétiquement scellée et que l'autre, la partie supérieure, est ouverte. J'aspire l'air de la partie supérieure et puis, renversant le tube, je le plonge en cette cuve et libère du doigt l'ouverture immergée. Nous pouvons alors constater que le mercure s'élève, laissant dans cette partie supérieure du tube un espace vide. La hauteur du mercure nous indique exactement la pression de l'air, c'est-à-dire son poids. À ce point, messieurs, je cède la parole à mon fils. Je ne puis me lever, mon père. Jacques, apporte l'eau de vie. Mais que faites-vous donc ? Le cuir des bottes, trempé d'eau de vie, ne fait pas que s'assouplir. Il conserve aussi la chaleur d'une façon surprenante. Mes jambes sont raides, car le sang a du mal à y circuler. Or, la chaleur, en activant la circulation du sang, me rendra un peu de souplesse. Cela mettra en colère ce bon docteur Patin, qui prétend que la théorie de Harvey sur la circulation du sang est inutile à la médecine et nuisible à l'homme. Ah, pour ma part, bien que cette idée répugne à un bon nombre de ces messieurs médecins, je ne peux qu'y croire, car j'en vérifie souvent l'exactitude grâce à mes pauvres jambes. L'expérience du grand Torricelli nous a donc fait voir clairement que les effets faussement attribués à l'horreur du vide doivent être bien plutôt attribués à la pression de l'air. Comme certains pourtant refusent de soumettre leur raison à leur sens, j'ai imaginé une expérience qui nous donnera définitivement la lumière. Merci, avec cela, je me sens beaucoup mieux.
Il s'agit en fait de renouveler l'expérience ordinaire du vide, celle que vous venez de voir, plusieurs fois en un même jour, tantôt en bas, tantôt au sommet d'une maison. Vous voyez que cette expérience est décisive. Car si la hauteur du mercure est moindre en haut de la maison qu'en bas de la maison, il s'ensuivra que la pesanteur de l'air est la seule cause de la suspension du mercure. Puisqu'il est certain qu'il y a davantage d'air là où nous sommes, en bas de la maison, qu'au sommet. Et nul ne saura dire que la nature abhorre le vide. En bas de la maison, plus qu'en son sommet. Nous allons entreprendre cette expérience devant vous. Pierre, monte. Suffit pour me fortifier dans mon idée. Néanmoins, je reste persuadé que la différence obtenue serait bien plus considérable si, au lieu de la hauteur d'une maison, nous disposions de la hauteur d'une montagne. Si vous le voulez bien, mon père, je prierai par lettre M. Perrier de renouveler l'expérience au pied et au sommet du puits de Dôme. Nul doute, le résultat sera éclatant. Je crois qu'avant cela, messieurs, nous devrions voir le Père Noël de la Compagnie de Jésus pour connaître l'opinion qu'il a sur ces choses. C'est un homme de savoir et nous avons le bonheur qu'il soit de passage à Rouen. Je dis que ce vide apparent qui paraît dans le tube est un corps. Puisqu'il a les actions d'un corps, qu'il transmet la lumière avec réflexion et qu'il apporte du retardement au mouvement d'un autre corps, ainsi qu'on peut le voir en la descente du vif argent. Voyons maintenant quel est ce corps. Oui, supposons que, comme le sang qui est dans les veines est un mélange de bile, de pituite, de mélancolie et de sang, qui pour sa plus notable quantité donne au mélange le nom de sang, que de même l'air que nous respirons est un mélange d'eau, de terre et d'air, qui pour sa plus notable quantité donne au mélange le nom d'air. Or, tout ainsi que ce mélange qui est dans nos veines est un mélange naturel au corps humain, de même ce mélange qui est dans notre air, est un mélange naturel au monde. Donc, tout ainsi que la séparation des parties qui composent notre sang se peut faire dans les veines, de même, la séparation des parties qui composent notre air se peut faire dans le monde. Je dis donc que l'air du tube, lequel, étant séparé de l'eau et de la terre, est plus subtil et plus rare que mélangé avec l'un et l'autre, peut pénétrer à travers les pores de certaines matières. Présupposons maintenant une chose vraie. Savoir que le verre a une grande quantité de pores. Il est vrai que ces pores sont si petits que l'air mélangé ne saurait passer au travers. Mais l'air séparé de l'eau et de la terre pourra pénétrer verre comme le fil de fer, quand s'il est trop gros ne peut passer à travers le trou de la filière. Mais s'il est amenuisé, il passe. Quant à l'autre objection que l'on vous a faite, à savoir qu'il n'est pas possible que la lumière se soutienne dans le vide, elle est une preuve péremptoire contre l'existence de ce vide, puisque la lumière est mouvement luminaire des rayons, composés des corps lucides qui remplissent les corps transparents. Or, cette illumination se trouve dans l'intervalle abandonné par le vif argent. Il est donc nécessaire que cet intervalle soit un corps, puisqu'il est transparent. Vous le voyez, messieurs, le vide n'existe pas. Mon très révérend père, il est une règle universelle qui s'applique à tous les sujets où il s'agit de reconnaître la vérité. Et cette règle est celle-ci. On ne doit jamais porter un jugement sur l'affirmative ou la négative d'une proposition si l'on ne se plie à l'une ou à l'autre de ces deux conditions. Ou que cette proposition paraisse si clairement
que l'esprit n'est aucun moyen d'en douter. Et ceci est postulat. Postulat ou action. Je donne un exemple. Si à choses égales on ajoute des choses égales, les touts seront égaux. Ou, deuxième condition, que la proposition se déduise par conséquence infaillible de tels axiomes ou postulats. Tout ce qui a une de ces deux conditions est certain et véritable. Tout ce qui n'en a aucune passe pour incertain et douteux. Et nous appelons les choses de cette sorte, suivant leur mérite, tantôt vision, tantôt caprice, parfois fantaisie, quelquefois idée, et tout au plus belle pensée. Vous prétendez, mon révérend père, que le vide en haut du tube est un corps, disant que ce vide est un corps puisqu'il a les actions d'un corps, qu'il transmet la lumière et qu'il apporte du retardement au mouvement des autres corps. Mais mon révérend père, rapportant cela à la méthode du raisonnement dont nous venons de parler, nous trouvons qu'avant d'affirmer cela, il faudrait être demeuré d'accord sur la définition du vide, du mouvement et de la lumière. Or, pour prendre l'un de ces trois termes, nous ignorons tout de la nature de la lumière. Et cette nature nous demeurera peut-être éternellement inconnue. Ne tirons donc point, je vous prie, des conséquences de la nature d'une chose que nous ignorons. Présupposons, dites-vous ensuite, que, comme le sang est mêlé de plusieurs liqueurs, l'air de même est mélangé de plusieurs matières. Vous présupposez que l'air raréfié peut pénétrer les pores du verre. Mais mon révérend père, en ce temps où de si grands savants discutent avec tant de soin de ces choses, je ne peux pas croire que pour apporter une solution, vous ne proposiez autre chose qu'une matière dont vous présupposez l'existence. De toute manière, qui présupposera le contraire tirera une conséquence contraire aussi nécessairement. Maintenant, si l'on vous demande de nous faire voir cette matière, vous nous direz qu'elle n'est pas visible. Si l'on vous demande de nous la faire entendre, qu'elle n'est pas audible. Et ainsi de tous les autres sens. Mais je n'ai fait qu'une hypothèse, me direz-vous. Une hypothèse. Mais pour qu'une hypothèse soit évidente, il faut que l'on soit sûr des causes et des effets. Par exemple, si je trouve une pierre chaude, que penseriez-vous du raisonnement suivant? Présupposons que cette pierre ait été mise dans un grand feu d'où on l'ait retirée depuis peu de temps. Donc cette pierre doit être chaude, or elle est chaude, donc elle a été mise dans un grand feu. Et vous penseriez de ce raisonnement qu'il est faux? Car le feu n'est pas l'unique cause de la chaleur qui peut procéder soit du soleil, soit de la friction. Enfin, mon père, vous définissez la lumière en ces termes. La lumière est un mouvement luminaire composé de corps lucides, c'est-à-dire lumineux. J'aurais peine, je vous l'avoue, à m'accommoder d'une définition dit que la lumière est le mouvement luminaire des corps lumineux. Vous avez fort bien parlé, mon fils. Ces messieurs vous répondront un autre jour. Nous n'y manquerons pas. Mais que faites-vous donc? Au lieu de venir vous-même, vous auriez pu mander votre valet. Vous vous fatiguez inutilement. Je vous expliquerai.
J'ai la faiblesse de vouloir me tenir en état de pauvreté. Et pour cela, je crois qu'une action vaut mieux que tous les discours. Mais vous oubliez cependant la pauvreté d'esprit. Et vous ne sembliez pas jusqu'à présent cultiver cette disposition ni dans vos pensées ni dans vos actes. N'est-ce pas là l'une de vos contradictions? Oui, vous avez raison de me juger avec sévérité. Et puis-je vous dire que vous ne manquez jamais à le faire. Mais écoutez, le vide n'est que la figure de l'infini. Et si je cherche le vide dans la nature, j'en trouverai la correspondance dans le cœur de l'homme. Et quand j'aurai éprouvé le vide de ma vanité, quand ma conscience ne sera plus préoccupée par toutes sortes de pensées vaines ou de désirs, Dieu, que je connais par ma raison, c'est-à-dire que j'ignore, connaissez-vous quelqu'un, aimez-vous quelqu'un par la seule raison? Dieu prendra peut-être en considération la place que je lui aurai faite en moi. Place qui ne sera pas à la mesure finie et misérable de ma raison, mais à la mesure infinie du vide. Que Dieu se montre, et je l'apprendrai. Mais il y a d'autres voies pour connaître Dieu. Louez-le donc en silence et il se montrera. Non, le Dieu des philosophes, mais le Christ vivant. Lisez les évangiles, ils vous enseigneront tout ce qu'il faut savoir dans le monde. Oui, mais la nature porte sur elle la marque de Dieu. Je crois que la charité n'est charité que si elle est éclairée par la compréhension et la connaissance. Et la seule connaissance de l'homme, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui le surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. J'ai vidé tous les vases de leur eau pour que l'âme de M. Blaise ne se noie pas. Il est donc bien mal? De toute la nuit, il n'a quasiment pas bougé. Emporte cela et tâche d'être un peu moins crédule. Je me sens extrêmement faible. Et la tête vous fait mal? Non, elle est claire. Tenez, je vous ai apporté votre émétique. C'est la dispute d'hier qui est la cause de votre rechute. Vous ne devriez pas vous échauffer. Peut-être serais-je resté plus calme si vous m'aviez accordé votre présence. Blaise, je dois vous faire part d'une chose grave. Ce matin même, je suis allé rendre visite à monsieur le curé de Rouville de retour du monastère de Port-Royal à Paris. Port-Royal? Je veux que vous le sachiez en premier. J'ai pris la décision de me retirer du monde et de m'établir au couvent, à Port-Royal. Les lettres de Saint-Cyran et tout ce que m'en a dit monsieur le curé de Rouville, en qui j'ai toujours très grande confiance, me font penser qu'à Port-Royal, la vie chrétienne est bien conforme à l'idée que j'en ai, depuis ce moment où Dieu m'a touché au cœur. Je sais que vous aussi avez une très grande estime et admiration pour ces gens-là. Mais dites-moi,
Dites-moi ce que vous pensez de ma résolution. Je ne saurais rien vous dire, sauf que j'approuve votre choix. Non. J'ai réfléchi et je ne puis vous donner mon consentement. Votre devoir est de rester ici, dans cette maison, auprès de votre père tant qu'il est en vie. Vous savez très bien que depuis mon accident, je me sens faible et je puis vous assurer que je ne vous ferai pas attendre bien longtemps. Quant à vous, mon fils, je pense que vous auriez pu attendre ma mort pour mettre ce dessein dans l'esprit trop généreux de votre sœur et que vous auriez dû calmer son enthousiasme. Mais mon père... Je ne veux rien entendre d'autre. Et il est nécessaire que cette nouvelle résolution, avant même de vous retirer à Port-Royal, se renforce, de manière à ce qu'il ne reste absolument aucune sorte de doute quant à votre vocation. Dorénavant, je vous prie de ne point parler ni à monsieur le curé de Rouville, ni encore moins à l'un ou à l'autre des frères Deschamps s'il se présentait l'occasion de les voir en particulier. Nous verrons ainsi si vous persistez dans votre projet et s'il vous vient véritablement de Dieu. Et vous, Blaise, allez donc à Paris vous occuper de mes affaires. Je veux que tout soit en ordre, de manière à ne laisser derrière moi aucun trouble quand je partirai. À Paris, vous aurez le bonheur de rencontrer le père Mersenne et quelques-uns de nos beaux esprits. Et vous pourrez confronter avec eux toutes ces idées que vous avez sur la science et la religion. À présent, je vous prie de me laisser seul. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, disant « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Monsieur, n'êtes-vous pas monsieur Pascal? Oui, c'est moi, pourquoi? Ah, je vous ai cherché par toute la ville depuis quelques jours et je suis bien content de vous avoir enfin trouvé. C'est donc vous qui avez combiné je ne sais quelle drôle d'expérience tout au sommet des tours de Notre-Dame avec des bonbonnes d'eau et de mercure. Oui, c'est moi, pourquoi? Je vous ai cherché par toute la ville, monsieur, pour vous dire que vous êtes, monsieur, un téméraire. Oui, monsieur, je vous le dis, un téméraire. Et même bien pire. Et vous croyez vraiment pouvoir faire progresser la science en refusant et en ignorant le respect que l'on doit aux anciens? Et vous vous trompez, je ne les méprise pas, je les honore. Mais monsieur, allez-vous nier maintenant d'avoir voulu ce faisant attribuer à Dieu la création de quelque chose qui ne peut absolument pas exister, tel que le vide? Ah, je vois qu'il vous manque même le courage de soutenir vos propres idées. Mais ceux que vous appelez les anciens étaient des hommes pour qui tout était nouveau. L'enfance de l'humanité. Et comme nous avons ajouté à leur connaissance celle des siècles qui les ont suivis, c'est donc en nous que l'on peut trouver vivante cette antiquité dont vous parlez. Ah, vous êtes donc de surcroît présomptueux. Vous osez vous prévaloir de l'autorité des anciens pour impudemment venir nous affirmer tout le contraire de ce qu'ils ont trouvé et enseigné, et cela pendant des siècles à tous les savants du monde. Oh, ça, c'est incroyable. Monsieur, usez de la raison, si vous l'avez.
En effet, nous pouvons comprendre les anciens pour ce qu'ils pensaient de la Voie lactée. Ils en attribuaient la brillance à une plus grande densité de cette partie du ciel. Mais nous, ne serions-nous pas nous-mêmes impardonnables d'être dans la même opinion qu'eux, maintenant qu'aidés du télescope, nous y avons découvert une infinité de petites étoiles? Bien, sur cela, vous avez raison. Mais pour le reste, vous me faites l'impression d'être encore un peu trop jeune pour pouvoir vous permettre d'inventer de nouvelles sciences. Oh, soyez tranquille, ce n'est pas moi qui le ferai, je n'en suis pas capable. Seulement, à mon avis, il faut relever le courage de ces timides qui n'osent rien inventer en physique et confondre l'insolence de ces téméraires qui produisent des nouveautés en théologie. Cependant, le malheur de notre époque est tel que l'on voit beaucoup d'opinions nouvelles en théologie inconnues de l'Antiquité soutenues obstinément et reçues avec succès. Au lieu que celles produites en la physique, quoiqu'en petit nombre, semblent devoir être convaincues de fausseté. Dès qu'elle choque tant soit peu les opinions reçues. Je ne comprends pas comment l'on peut prétendre parler de toutes ces choses lorsque l'on est encore si jeune. Monsieur, la raison fait naître notre respect pour les anciens. La raison doit le limiter. Vous êtes donc un mécréant, monsieur. Et c'est avec le bâton qu'il faudrait vous convaincre. Oh, monsieur, je vous demande pardon, je dois partir, on m'attend au couvent des Minimes. Présomptueux. Bonjour. Par là, il n'y a guère de place. Allez plutôt vous mettre de ce côté. Merci. Bonjour. Bonjour. Qui parle donc? Le grand Descartes. Vous pouvez vous mettre là-bas. Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderais au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse-t-elle à ma connaissance avec évidence. Aussi dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celles qui se trouvaient en moi-même ou dans le grand livre du monde. Au cours de ces voyages, il me semblait que je pourrais rencontrer plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant ses affaires que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet. J'appris aussi à ne rien croire trop fermement et je ne fis pendant 9 années que rouler çà et là dans le monde, tâchant de déraciner de mon esprit toutes les erreurs qui avaient pu s'y glisser. Je commençais alors de découvrir les fondements d'une science admirable et appris à conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter par degrés à la connaissance des plus composés. Je pris donc pour modèle ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir. J'appris en même temps à corriger par ces raisonnements les erreurs de nos sens, celles de la vue, par exemple, qui nous indique à tort que la Terre est et que la lune et le soleil sont plus grands que les étoiles. Si j'ai depuis fait paraître quelques livres, je me suis efforcé d'être tenu au nombre des écrivains les plus vulgaires. Écrivant en français, non en latin, et dans une langue par le moyen de laquelle les paysans pourraient mieux juger de la vérité que les philosophes. Vous savez que je vis peu en France, encore moins à Paris, où je vois tant de personnes qui se trompent en leurs opinions et en leurs calculs qu'il me semble que c'est une maladie universelle. Chacun y paraît attentif à son seul profit. Mais cela, je le vois, n'est encore qu'une vérité incomplète, puisque vous êtes là, vous, mes amis, vous,
mon cher Mersenne, dont l'amitié me réchauffe et me montre que je ne suis pas tout à fait étranger en mon propre pays. Voici un jeune homme qui, entre tous, vous a écouté et suivi avec la plus grande attention. Et qui est-il ? Il est le fils d'Étienne Pascal. Et il nous a émerveillés par ses travaux et ses idées. Et entre toutes choses, par quelques très belles expériences sur le vide. Ce que vous venez de dire, monsieur, m'a bouleversé, car il me semble soudain que j'ai pris un chemin contraire au vôtre. Et pour cela, je me sens tout effrayé. On m'a pourtant parlé d'un brillant discours que vous auriez tenu devant le révérend Père Noël de la Compagnie de Jésus. Il est vrai, mais il m'est venu depuis quelques objections contre moi-même. C'est-à-dire un peu contre moi. Je dois bien vous l'avouer, monsieur, oui. Eh bien, je vous serai reconnaissant de me les faire entendre. Vous avez dit, monsieur, que vous aviez appris à conduire vos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu vers les plus compliqués. Pour établir cette belle construction, il vous faut donc des fondements dont la solidité ne fasse aucun doute. Or, le seul fondement que vous nous proposez est le discernement de votre raison, qui est ici, je l'entends bien, le symbole de toute raison humaine. Or, cette raison me semble très peu assurée de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle existe, certes, mais située malaisément entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et telle que vous la décrivez vous-même, déçue par l'inconstance des apparences, incertaine quant à ses limites. De plus, ce n'est pas elle, mais le cœur qui nous dit qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Et donc ce n'est pas par continuité de raisonnement, mais bien plutôt par intuition brutale et rupture, que nous réussissons à partager entre nous quelques certitudes. Et ces dimensions de l'espace où nous sommes ne se peuvent compter. Elles n'ont pas de quantité car elles sont sans bornes, et infinies et n'existent que par la qualité de ce qu'elles sont. Or, à vous entendre, on pourrait croire que, pas à pas, augmentant sans cesse leur connaissance, les hommes parviendront un jour à comprendre toute la machine du monde, à la façon d'un spectateur qui, placé dans la coulisse d'un théâtre, comprend de quelle manière le char du héros s'élève dans les airs. Mais l'univers infini dans lequel nous sommes ne cessera pas d'être infini, tandis que nos connaissances, elles, ne cesseront jamais d'être finies et limitées, quelles que soient les nouveautés qu'on leur ajoutera. Les chaînes d'arpenteurs dont vous avez parlé peuvent certes mesurer la distance qui nous sépare de tel ou tel point. Elles sont incapables d'évaluer la qualité du parcours. L'esprit géométrique peut saisir fortement quelques principes, mais il n'est pas capable de saisir la diversité qui nous entoure. En effet, peut-il distinguer tous les tons de voix, tous les marchés, tous les toussés, mouchés, éternués ? Peut-il distinguer des fruits les raisins et parmi eux les muscats? Vous partez des objets les plus simples pour monter aux plus composés. Ne doit-on pas plutôt partir des objets composés pour descendre jusqu'aux plus simples? Nous sommes peu assurés de nos pas, placés entre une infinité et un néant de nombre, une infinité et un néant de mouvement, une infinité et un néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix et former des réflexions qui valent mieux que l'ensemble de la géométrie elle-même. Vous parlez d'une méthode, sans doute. Mais n'y a-t-il pas nécessairement, pour rendre compte de l'infini, une infinité de méthodes que Dieu seul peut connaître puisque lui seul est infini? Oui. Ce sont là, monsieur, des objections bien brillantes qui me sont déjà venues en tête, mais je les ai repoussées.
Peut-être la véritable finesse est-elle de ne point vouloir user de finesse. Je garderai le souvenir de votre discours. C'est un grand homme. Sans doute. Mais dites-moi, je ne vous ai pas encore demandé de nouvelles de votre père. Depuis mon départ de Rouen, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je l'ai laissé malade, mais toujours d'une admirable patience. Puisque vous êtes maintenant informés l'un et l'autre, chères sœurs et beaux-frères, de la mort de notre père, avant de laisser Jacqueline continuer cette lettre, je vous dirai que sa fin fut si sainte et si souhaitable qu'il n'y a point de chrétiens qui ne doivent s'en réjouir. Ne nous affligeons donc pas à la façon des païens qui restent sans espérance, nous qui ne considérons pas le corps comme une charogne infecte. Parce que nous savons bien que les corps des saints sont en ce bas monde la demeure de l'Esprit Saint et qu'il les retrouvera le jour de la résurrection. C'est pour cette raison que nous honorons justement les reliques des morts. Et de même, c'est sur ce vrai principe que l'Eucharistie leur était donnée. Comme l'on savait qu'ils étaient les temples du Saint-Esprit, et parce qu'en ce temps la foi était grande, on les croyait dignes aussi de recevoir le Saint-Sacrement. Tous les chrétiens qui meurent sont voués à la vie éternelle et à la résurrection. Blaise, vous savez que je suis toujours dans la résolution de mourir au monde et de me retirer au monastère de Port-Royal. Vous me laisseriez donc malade et seul. Vous ne voulez pas que je vous laisse seul? Avez-vous donc changé d'idée? Vous-même, quand notre père était en vie, ne m'avez-vous pas soutenu et maintenu en ce projet? Je comprends maintenant l'horreur qu'il avait de devoir être séparé de vous. Ne pouvez-vous pas attendre un peu? Non, c'est impossible. Je pensais que la charité vous porterait à demeurer avec moi un an au moins avant de faire votre profession. Cela me laisserait le temps de m'y résoudre. Je voudrais en tous les cas y faire retraite au moins pour une année et céder ce qui est ma dot au monastère de Port-Royal. Je veux bien vous verser une rente, celle qui vous revient. Mais je ne consentirai pas à vous voir maîtresse de vos biens. Ce dont vous le savez serait pourtant bien peu de chose. Et bien que ces messieurs de Port-Royal ne le sollicitent en aucun cas, vous savez qu'ils acceptent ce qu'on leur donne et qu'ils en usent pour faire œuvre de bien. Si ce n'est que cela, je leur prêterai ce que je peux. Mais je ne me crois pas autorisé à vous concilier cette dot pour une simple retraite. À ce propos, voulez-vous signer ce papier pour votre sauvegarde? Et puis je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuse. J'ai besoin de votre consentement et je vous le demande avec toute l'affection de mon âme. Non parce qu'il est indispensable à l'accomplissement de ma décision, mais parce que cela me la rendra plus sereine et plus joyeuse. Parce que sans votre aide ou votre appui, j'accomplirai l'action la plus grande et la plus belle de toute ma vie, avec une extrémité de joie mêlée d'une extrémité de douleur, avec une angoisse indigne d'une telle grâce. Je vous laisse terminer cette lettre.
sans dot, les religieuses ne l'accepteront jamais. Aussi, elle n'attendra pas bien longtemps. Qu'y a-t-il, Jacques ? Un billet pour vous, monsieur. De la part de monsieur le duc de Rouennais. Savez-vous l'histoire qui arriva à Madame Duplessis ? Eh bien, elle alla dire à Port-Royal l'intention qu'elle avait de donner une maison aux pauvres. Fort bien, lui répondit alors Monsieur Barcos, mais sachez qu'à notre sentiment, une religieuse doit tout donner. Il m'est arrivé à moi une aventure contraire qu'il vous intéressera sûrement d'entendre. Vous savez que ma sœur Jacqueline voulait entrer au couvent, et que je pensais que la mère Angélique, la supérieure de Port-Royal, ne la prendrait pas sans dot. Eh bien, ce fut le contraire qui advint. Quoi, ma fille ? Dit la mère Angélique à ma sœur. Vous vous plaignez. Reconnaissez que vous avez encore de l'orgueil, que vous voulez entrer ici comme riche, et que vous n'avez pas assez d'humilité pour vouloir y être reçu comme pauvre. Eh bien, vous y entrerez comme pauvre, car je n'accepterai rien de vos parents. Cela m'a confirmé dans la bonne opinion que j'avais de Port-Royal. Il est délicieux, ce rôti, parfumé à la rose. Il est si difficile de trouver cette essence. Il y en a chez Berthier rue Saint-Jacques. Et outre diverses sortes d'essences de roses que je préfère comme goût pour les rôtis, il vend aussi des extraits d'ambre et de musc savoureux dans le bouilli. Grâce à votre science, je ne serai plus en peine. L'indication est précieuse. Vous êtes l'un des plus grands savants de France. Ne voulez-vous pas prendre faim ? Je vous avoue, madame, ne pas y avoir encore pensé. Ce méchant plein d'outrage a ruiné sans défaut tous gens de village vous donnant des impôts. Le peuple de France chante encore les chansons de la Fronde, mais Paris est redevenu comme autrefois. Il s'est écoulé à peine une année depuis qu'il était impossible de voir tous ceux avec qui il vaut vraiment la peine de passer la soirée. 5 années de guerre civile ont enseigné bien des choses à notre jeune roi. Cela est vrai, puisqu'il a choisi de rappeler aux affaires du royaume le cardinal Mazarin, le seul homme d'État en France capable de poursuivre la politique du cardinal de Richelieu. Un roi n'est un roi que lorsqu'il se montre prêt à considérer ses ministres comme des ennemis. Aurons-nous le plaisir de vous voir plus souvent, maintenant que votre sœur est entrée au couvent ? Le conseil que vous donnent les médecins de vous distraire en toute occasion est, je crois, le meilleur remède contre toutes vos humeurs mélancoliques. Les douleurs qui m'ont poursuivi pendant des années ont complètement disparu. Et comment va votre sœur Gilberte ? Bien, mais elle vit à Clermont où son mari a une charge. Vous êtes mon ami, je vous connais depuis peu, mais sans l'amitié que je vous porte, il ne me resterait personne au monde. Mon père est mort, ma sœur Jacqueline en religion. Avez-vous parfois l'idée de vous retirer à votre tour ? Je ne suis qu'un simple fidèle et pense rester là où m'a mis la volonté de Dieu. Vous êtes fatigué ? Oui, pas de corps, mesdames. L'on m'a rapporté que vous êtes retourné à la vie mondaine. Il est vrai que j'y ai beaucoup d'occupations qu'elles ont raison de me croire attaché. Mais de plus, je n'y vais pas de mon seul gré. Les médecins m'ont recommandé de me distraire. On m'a pressé de toutes parts, me disant que la santé était un présent de Dieu dont je devais prendre soin. Ceux qui vous ont persuadé de cela ne sont pas des personnes dignes de foi. Ils confondent la maladie avec le mal et usent de ce prétexte pour vous induire à fréquenter le monde et son train. Vous sentez-vous heureux avec cela ? Je n'ai jamais ressenti tant de dégoût, mais je me sens sollicité de les quitter. Et pourquoi ne pas le faire ? Parce que je ne saurais où diriger mes pas. Je n'ai plus d'attrait pour le monde, mais je suis dans un si grand abandon du côté de Dieu que je n'ai pas non plus d'attrait de ce côté-là. Oh, je m'y porte de tout mon pouvoir, mais c'est plus ma raison qui m'incline à connaître le meilleur qu'un mouvement venu de Dieu. Je suis donc dans l'incertitude et ne connais plus rien. On attend de grandes choses. Et par ces grandes choses, Dieu sans doute se fait connaître aux esprits médiocres. Avec les esprits subtils, Dieu se sert de petites choses. Conservez votre foi.
Vous avez gagné. Les chrétiens professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison. Et ils déclarent même que le faire serait une sottise. Sans doute. Mais c'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. Comment cela ? Parce que Dieu est infiniment incompréhensible. Et le comprendre par la raison est une contradiction dans les termes. Puisque cela revient, notre raison étant bornée, à mettre des bornes à l'idée de Dieu. Dieu est-il, n'est-il pas ? La raison n'y peut rien déterminer, sauf en cela qu'elle sait qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Vous n'êtes ni sceptique ? Car le sceptique sait bien qu'il y a dans l'homme un besoin de certitude, et vous n'êtes pas homme à vous contenter d'à peu près. Ni dogmatique ? Car nous savons tous que la vie est incertitude et changement continuel. Alors, que vous reste-t-il ? Dieu est-il, n'est-il pas ? De quel côté pencherez-vous ? Comme le jeu se joue à une extrémité infinie, il vous faut parier. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes embarqué. Or, ni pour la raison, ni pour le cœur, il n'est satisfaisant de parier sur ce qui est fini. Pourquoi ? Parce que si vous pariez sur ce qui est fini et limité, en gagnant, vous ne gagnez rien. Et en perdant, vous perdez tout. Si vous pariez au contraire sur l'infini, en gagnant, vous gagnez tout. En perdant, vous ne perdez rien. Mais entre-temps, ne restons-nous pas dans l'incertitude ? Sans doute. Mais vous espérez. Et au lieu de compter sur vos seules forces personnelles, ce qui est une façon de désespoir, vous espérez dans la valeur incarnée d'une existence qui vous dépasse. Et si je perds ? Vous aurez mené le bon combat et gagné à être un ami sincère et bienfaisant. Peut-être aussi Dieu se fera-t-il connaître à vous entre-temps. Sentiment, joie, paix.
Dieu de Jésus-Christ. Deum Deum et Deum Vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Des reliquerunt me fontem aquae vive. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je ne sois pas séparé éternellement. Celle-là est la vie éternelle qu'ils te connaissent. Seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie, pour un jour d'exercice sur la terre. Sentez-vous, ma bien chère fille? J'ai peur, ma mère. J'ai peur de voir beaucoup de ces personnes que je regardais comme les piliers inébranlables de la vérité fléchir d'un coup devant les persécutions que l'on nous fait. Je ne puis le supporter. Vous devez pourtant vous incliner et vous soumettre. Vous ne la trouverez qu'en vous soumettant et en renonçant à toutes vos convictions les plus chères. Si l'autorité supérieure vous le demande. Et l'autorité...
l'autorité la plus haute n'est-elle pas celle de Dieu? N'est-il pas vrai qu'il nous appelle à souffrir pour la vérité? N'est-il pas lui, lui seul, notre seul maître, l'unique, à qui nous devons pour tout rendre des comptes? Et notre joie n'est-elle pas de lutter et de souffrir pour la justice? Ainsi les jésuites, ou font embrasser les erreurs, ou font jurer qu'on les a embrassées, et font tomber ou dans l'erreur, ou dans le parjure, et pourrissent ou l'esprit, ou le cœur. À ma sœur Jacqueline. Aujourd'hui, vendredi, il y a 3 semaines qu'elle est morte. Et cela me remplit d'une extrémité de peine et d'une extrémité de joie. D'une extrémité de peine, car elle était avec vous et ma sœur Perrier, ce que j'ai de plus cher au monde. D'une extrémité de joie, parce qu'elle a préféré se laisser mourir plutôt que de signer la condamnation de ce pourquoi elle avait voulu abandonner le monde. La doctrine de Port-Royal rigoureuse et sainte. Vous aussi, mon ami, avez mené la bataille de toutes vos forces. Mais les grands vicaires, dans une deuxième attaque, ont ordonné la signature du formulaire. À la cour comme à la ville, tous nos révérends pères promènent leur contentement sur l'issue du drame. Parce qu'ils n'ont aucun doute. Port-Royal ne signera jamais, disent-ils. Et les archers du roi y mettront promptement bon ordre. Dieu contredit l'homme jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Il les contredira. Mais quelle étrange machine est-ce là? Ce sont quelques vérités de la religion chrétienne mises ensemble avec une ficelle. Si Dieu m'accorde le bon usage de mes maladies, j'en ferai un ouvrage. Pour mieux le faire, vous devriez accepter mon hospitalité. Vous vivrez plus commodément. Allons, vous ne pouvez refuser l'occasion que j'ai de faire une bonne action. L'on m'a dit que vous souffriez terriblement des dents. C'était vrai. Je ne vous comprends pas. Je me suis diverti de la douleur en reprenant le cours de mes méditations sur les propriétés de la cycloïde. Et ce travail, par sa grande force, m'a tiré tous les esprits au cerveau. Aussi, je crois
avoir trouvé à la fois la méthode et le résultat. Je ne comprends pas très bien toutes ces choses, mais j'en sais suffisamment pour savoir que vous avez trouvé ce que de très grands savants comme Galilée ou Robert Val n'ont pas découvert. Regardez, et vous comprendrez fort bien. Si je prends cette roue, et si je la fais se mouvoir sur la table, son axe décrit une ligne droite parallèle à la table. Au contraire, si nous considérons un point quelconque situé sur le bord extérieur de la roue, ce clou par exemple, nous voyons qu'il décrit dans l'espace une courbe qui est une figure géométrique. Or, ce qui importe en mathématiques et en géométrie, c'est la découverte des rapports d'égalité entre deux termes. Donc, dans ce cas, il s'agit de trouver à quoi est égale la figure géométrique décrite par un point dans l'espace tandis que tourne la roue. Nous pouvons tracer cette figure non sans difficulté. Mais nous pouvons aisément la déduire par ce calcul algébrique dont je donne ici la formule et qui rend très manifeste l'harmonie qui règne en toute chose. Nous devons donner à cette découverte beaucoup d'éclat, car il faut montrer que vous en savez plus que les sceptiques pour tout ce qui concerne la géométrie, et que si vous êtes soumis à la foi, ce n'est pas par ignorance. Vous avez sans doute raison. Nous publierons le calcul de la cycloïde. Je prendrai un pseudonyme, Amos d'Étonville, par exemple. Et puis j'organiserai un concours entre les plus célèbres géomètres du monde sur les divers problèmes de la cycloïde. Je donnerai une somme de 60 écus à M. Carcavi, et ce prix sera offert à celui qui sera capable de les résoudre. Si dans le délai de 3 mois qui suivent personne n'a réussi, je divulguerai les solutions exactes dans un traité. Vous êtes un homme imprévisible et vous me surprendrez toujours. Il y a quelques jours, m'est venue une idée que j'aimerais vous soumettre. Elle vous semblera peut-être étrange, mais elle rendra de grands services à tous les Parisiens et me permettra de gagner un peu d'argent pour mes pauvres. Il s'agit d'un projet de service à paiement que j'ai conçu en regardant passer les carrosses dans la rue. J'ai établi un trajet à partir du plan de Paris et j'ai fait tous mes calculs. Tenez, lisez ceci avec calme et dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Voici un des carrosses qui doit servir au public. Vous le savez, le roi nous a accordé le privilège de les établir moyennant le prix de 5 sous par personne. Et ceci, pour un parcours qui va de Vincennes au Louvre, en passant par la Cité et le Châtelet. Le roi exige néanmoins que ni les soldats, ni les pages, ni les laquais, ni les gens de métier n'y soient reçus. Je pense que ce service de carrosse publique sera très utile, particulièrement sur ce parcours, où il se fait un grand trafic de gens de robe. Et vous le voyez également, nous pourrons utiliser les couleurs et les armes de la ville de Paris. Comme les événements sont imprévisibles. Le roi et la cour qui se sont montrés si durs à l'égard des seigneurs de Port-Royal en condamnant les jansénistes comme des frondeurs m'ont touché. Oui. Et frappé dans l'affection que je portais à ma sœur Jacqueline, qui elle en est morte de douleur. Et pourtant, ils sont favorables à mon projet de carrosse publique. Les docteurs de la Sorbonne ont requis l'intervention de l'autorité royale. Ils ont insisté pour que soit considérée comme crime la polémique de M. Arnault contre la hiérarchie. Mais Rome, leur a-t-on dit, n'a-t-elle pas déjà condamné Arnault et ses amis et leur doctrine du jansénisme? Le pape a tant de soucis qu'il a laissé faire les jésuites. Savez-vous que l'on parle en tout lieu de ces lettres en défense d'Arnault qui ont circulé dans Paris? Et qui sont adressés au père provincial des jésuites.
L'on en dit qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de théologie. Elle se termine de curieuse manière, par une signature en initiale. E, A, A, B, B, A, F, D, E, B. Et... ancien ami Blaise Pascal, Auvergnat, fils d'Étienne Pascal. Eh bien, vous ne voulez pas admettre les avoir écrits ? Chut. Voici, prenez cela qui vous fera du bien. De la part de monsieur le médecin Guénaud, pour monsieur Blaise Pascal. Deux chiots nouveau-nés et une demi-livre de vers de terre vivant à faire cuire et macérer pour préparer un onguent bien épais à appliquer sur les jambes du malade. Bien, j'ai là tout ce qui est nécessaire. Revenez, je vous prie, dans 3 ou 4 heures. Votre état, monsieur. Pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Pourquoi l'aurais-je fait? Suis-je donc indigne de travailler de mes mains? Je viens de l'apothicairie où monsieur Justeau a confectionné cet onguent. Il faut que je vous l'applique. Je suis en grande peine, monsieur. Et pourquoi? Je vais devoir vous quitter. Mais comment cela? Allons, parle. Mon fils est malade et le docteur Guénaud a peur que ce ne soit la variole. Il faut donc que j'aille le conduire à l'hôpital pour rester avec lui et le secourir. Tu ne quitteras pas cette maison. Mais il pourrait y avoir danger de contagion pour vous, monsieur, ou pour les personnes qui viennent vous rendre visite. Tu resteras ici et garderas la maison après ma mort. En attendant, j'irai chez ma sœur Perrier. Je vous en prie, ne parlez pas de ces choses. Comme de coutume, je vois que votre porte demeure ouverte et que le premier venu peut vous rendre visite. Vous n'êtes pas le premier venu. Je vous apporte des nouvelles de notre entreprise de transport. Tous nos carrosses, mon cher Blaise, sont à ce que l'on dit en ville, si commodes, que des auditeurs et des maîtres de compte, que des conseillers du Châtelet, que des conseillers de la cour s'en sont servis sans aucune répugnance pour aller au Louvre et au Châtelet. L'on dit y avoir vu le duc d'Enghien. Peut-être y verrons-nous un jour le roi. Mais qu'avez-vous? Rien. Ce n'est rien. Monsieur le duc, ce sont de nouveau ces terribles douleurs. Mon maître a le dessein de se retirer chez sa sœur, Madame Perrier. Je vous expliquerai. Que disiez-vous de ces carrosses dont le profit est aussi remarquable? J'ajouterai que vos pauvres de Blois vous béniront. Oh, j'aurais bien plutôt besoin de leurs prières. Ce sont les notaires. Bonsoir, messieurs. Je vous précède. Mon frère, ce sont les notaires. Très bien.
Dois-je lire la formule? Oui. Monsieur Blaise Pascal, écuyer demeurant ordinairement à Paris, hors et près la porte Saint-Michel. Et de ce moment, gisant au lit, malade, en une chambre au second étage d'une maison sise à Paris, sur le fossé d'entre Saint-Marcel et Saint-Victor, paroisse de Saint-Étienne-du-Mont. À cette heure, en pleine capacité d'entendement et de volonté, mais se considérant désormais proche de la mort, et ne désirant en être prévenu sans tester, donne et lègue à Françoise Delpeau la somme de 1200 livres. Comment se porte notre malade? Il a ressenti ce matin un grand étourdissement, avec une épouvantable douleur de tête. Cela fait 6 jours qu'il n'a rien pris. N'en soyez pas trop alarmé. Ce n'est que la vapeur de ses os, et dès que les notaires auront terminé, nous irons l'examiner. Je vous remercie. La somme de 30 livres de pension par chacune a nommé élu Florin Perrier exécuteur. Ce fut ainsi fait et nommé au dit notaire en la dite chambre et sous-signé par le testateur en la présence des sous-signés notaires, le troisième jour du mois d'août de l'année 1662. En outre, je désire mon corps mort être enterré en la dite église Saint-Étienne-du-Mont de cette ville dite de Paris. Est-ce tout, monsieur? Donc vous qui êtes le plus jeune, tâtez-lui le pouls, de sorte que nous puissions avoir une idée sur votre nouvelle science. Il est bon. Bon? Excellent. Égal? Inégal, c'est-à-dire évanescent et vermiculaire. Il est inutile que nous examinions plus avant le malade. Et que voulez-vous dire? Va-t-il bien ou va-t-il mal? Pour moi, il va bien. Mais il souffre. Le pouls est l'économie de la nature, le conservatoire des esprits et de la faculté vitale. Cette science des modernes. Mais n'en tenez pas compte. Je vous l'ai déjà dit. C'est simplement un dérangement de ses humeurs mélancoliques. Ne lui donnez absolument rien que du lait. Écrémé et administrez-lui les eaux que je lui ai prescrites. Il n'y a absolument aucun danger. Heureusement, vous nous accordez qu'il n'y a pas de danger. Gilberte,
Je veux qu'on m'apporte le viatique. Mais le viatique ne se donne qu'aux moribonds. Et vous n'êtes pas en danger. Mais je le veux. Mon père, je veux le viatique. Vous n'êtes pas mourant. Vous ne vous sentez que fort mal, comme tant d'autres fois. Vous ne devez pas désespérer. Mais je ne désespère pas. Je ne demande ni santé ni maladie, ni la vie ni la mort. Mais que Dieu dispose de ma vie et de ma mort pour sa gloire, pour mon salut, pour l'utilité de l'Église et des saints dont j'espère faire partie. La souffrance est un don de Dieu, car étant tourmenté par les maux, privé de bien et de plaisir, libéré des passions qui nous tourmentent toute la vie, nous pouvons attendre la mort avec joie. Je veux le viatique. Êtes-vous prêt à recevoir les sacrements ? Oui. Pax sui domini, et omnibus habitantibus in eo. Oremus, exaudinos, domine sancte pater, omnipotens eterne Deus, et mitere digneri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, forvet, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitabum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te in vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem omnium peccatorum tibi concedat Dominus omnipotens. Amen. Accipe frater viaticum corporis Domini nostri Iesu Christi. Et custodiat ab hoste maligna, et perducat in vitam aeternam. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Dominus oremus. Domine sancte pater omnipotens, aeterne Deus, te fideliter de precamur, te cipienti fratri nostro sacro sanctum corpus domini nostri Iesu Christi, filii tui, tam corpori quam anime prosit ad remedium sempiternum, vite cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen.